Tesla reprend le déploiement des mises à jour pour les vacances. Pourquoi il l'a donc suspendu? Ah bon, il l'avait suspendu, ok. Alors, pour des raisons de plusieurs bugs, le déploiement a été interrompu après la sortie de la version 0.30.4, mais a maintenant repris avec la version 30.5.1 hier soir, qui devrait contenir des correctifs pour remédier à la disparition de la version FSD bêta, ainsi qu'un problème plus grave, lié à la batterie 12 volts. Ah oui! Tesla a commencé à déployer l'édition 2023 de ses mises à jour de vacances à la fin de la semaine dernière. Le déploiement ne s'est pas déroulé sans heurts. Tesla a ensuite suspendu les mises à jour, et même après les avoir retirées, des voitures qu'il n'avait pas encore installées en raison de plusieurs bugs, dont un qui était assez grave. Tesla a découvert que certaines voitures envoyaient de fausses notifications indiquant que la batterie au plomb était morte, provoquant une incapacité importante du véhicule. Heureusement, comme les notifications étaient de faux positifs, il suffisait pour résoudre le problème de redémarrer ou de redémarrer le véhicule en appuyant sur les deux molettes, donc faire un reboot. Tesla a adopté une approche proactive pour résoudre le problème. Ils ont pu identifier les véhicules concernés et les redémarrer à distance pour résoudre le problème. En conséquence, de nombreux propriétaires ignoraient probablement complètement que leur véhicule avait ce problème, ou étaient sur le point d'avoir le problème. Au moins 10 000 véhicules ont été impactés. Un autre problème moins grave était également présent dans ces versions où FSD bêta a disparu de certains véhicules. Encore une fois, ça a été facilement corrigé. Ces deux problèmes ainsi que des bugs mineurs ont tous été résolus dans cette dernière mise à jour. Nous espérons qu'elle arrivera bientôt. Donc ça, là, c'est une mise à jour de la mise à jour en fait. C'est un concept, hein. Ok. Bon, est-ce que ça concernait que les voitures américaines, ce bug, ou est-ce que ça concernait des voitures européennes aussi? Dur à dire. Je vous laisse commenter.